Alors, on va enchaîner sur notre table ronde. Comme je vous expliquais ce matin, malheureusement, on n'a pas pu recevoir Barbara Vasseur de la chaîne Si c'est faux, qui a eu un empêchement, donc elle est vraiment désolée, elle ne peut pas être là présente cet après-midi. Donc, je vais inviter mes trois conférenciers du jour à venir me rejoindre. Venez à côté de moi. Prenez place. Et alors, en l'absence de Barbara, on a souhaité essayer de déjà répondre un petit peu plus à vos questions à vous, si vous en avez, parce que les conférences ont des temps assez courts, on n'a pas forcément le temps de tout aborder. Mais surtout, j'aurais aimé qu'on aborde un petit peu plus vos parcours, aux uns et aux autres, parce que vous avez des parcours assez différents, et aussi savoir un petit peu pourquoi vous en êtes venu à vous intéresser aux questions de complotisme, d'esprit critique, de conspirationnisme, ces choses-là. Comment on en vient à se spécialiser là-dedans. Donc peut-être qu'on peut commencer avec vous, Samuel, parce qu'il me semble que vous avez une histoire assez intéressante, en tout cas, à raconter, un parcours intéressant. Parce que je suis l'ancien complotiste de la bande, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Ah, tiens, elle est facile. c'est quoi la question? Je dois raconter pour comment ça s'est passé. Déjà, c'était quoi votre pensée avant? Vous étiez complotiste ou vous pensiez quoi? Parce que vous étiez... Alors moi j'avais le bingo complet, c'est-à-dire que je pensais que le 11 septembre était une opération menée par George Bush, j'étais extrêmement religieux, je pensais que je savais retrouver les objets à distance grâce au magnétisme, je pensais que le pendule fonctionnait, on peut retirer le masque ou pas? Parce que je commence à avoir de la buée. C'est comme vous voulez, pardon, si vous êtes mieux sans le masque, étant donné qu'on va parler un peu longtemps. Ouais, pour la buée, sur les lunettes, c'est mieux. Ça marche. Sinon, je dois le remettre toutes les 3 secondes. On est quand même une société vachement évoluée, mais pour les lunettes et le masque, on n'a pas encore résolu le problème. Je sais qu'il y a des trucs qui traînent sur Internet, mais ça ne marche pas. Les petits pince-nez, non, ça marche pas. Non, c'est n'importe quoi. Le truc de faire le nœud, machin, ça marche pas. En tout cas, chez moi, ça marche pas. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, j'avais le bingo complet. Qu'est-ce que j'avais encore? Je pensais qu'il y avait une vie après la mort, etc. Alors, je dis pas qu'il y en a pas. Je dis que ces choses-là, j'y croyais pour de mauvaises raisons. Je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, comme absolument chacun d'entre nous. Mais en tout cas, toutes les choses auxquelles je croyais, j'y croyais pour de très mauvaises raisons. Voilà, et j'aurais vraiment le bingo complet, quoi. C'est quoi les mauvaises raisons? Les mauvaises raisons, c'est simplement que j'évaluais les arguments à l'aune de mon bon sens et à l'aune de la cohérence que ça avait avec l'ensemble des choses que je tenais déjà pour vraies. C'est-à-dire que j'avais ma vision du monde qui était... Et sa solidité reposait exclusivement sur sa compatibilité avec mon quotidien, finalement. Et chaque fois qu'une nouvelle information venait s'y ajouter, c'était quelque part ma théorie sur le monde qui était décideuse de la compatibilité ou pas de cette nouvelle croyance. Ni plus ni moins, ce qu'on appelle le biais de confirmation. Enfin, il y avait plein de biais qui entrent en jeu, etc. Mais c'est comme ça que ça fonctionnait, et c'est comme ça que ça fonctionne encore pour des choses beaucoup plus anodines. Typiquement, comment je choisis ma lessive, ce genre de truc. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour beaucoup de gens si on n'est pas mis au courant, d'une façon ou d'une autre, qu'il existe des méthodes pour un peu mieux trier les choses qu'on se met en tête. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Comment vous avez réussi à switcher complètement et à remettre en cause toutes ces théories que vous pensiez vraies? Version longue ou version courte? Parce que... Version longue, on a le temps, non? C'est bon. Ah ouais, vraiment? Version mi-longue. J'ai une conférence qui parle de ça. Hein. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Il s'est passé que j'ai eu un coup de chance, en fait. J'ai eu un immense coup de chance. À ce moment-là, j'étais... Quand le processus a commencé, parce que c'est toujours un processus, hein, c'est pas du jour au lendemain, il y a un truc. Quand le processus a commencé, j'étais en train de tourner un film... Et donc j'étais le réalisateur et j'étais sous une pression extrême et il se passait plein de problèmes et pour prendre mes décisions, j'interrogeais les oracles, c'est-à-dire je tirais les tarots, ce genre de trucs. Et c'était devenu tellement obsessionnel que je le faisais tous les jours. Et évidemment les réponses étaient contradictoires et donc si les choses se passaient telles que les oracles le disaient, eh bien c'est qu'ils étaient réels. Si les choses ne se passaient pas telles que les oracles le disaient, ils m'avaient dit ce que j'avais besoin d'entendre pour aller plus loin et donc c'était réel. Pile je gagne, face tu perds, c'est un grand classique
de pas mal de fonctionnements des croyances irrationnelles ou qui reposent sur des choses trop peu solides, on va dire. Et donc, dans ce désarroi, je suis vraiment sous pression, sous une pression extrême. Et j'avais l'aide d'un membre de ma famille, qui était mon cousin, qui était vraiment comme mon petit frère. Et il s'est passé un incident assez dingue. Donc j'étais très croyant aux signes, aux coïncidences, au hasard. Hein, je cherchais de la signification partout pour m'orienter. Ce qui marchait, hein, ce qui donnait des résultats convaincants et renforçait du coup la croyance que c'était bien comme ça qu'il fallait penser. Je pensais même que j'avais une lecture supérieure aux autres, hein, puisque je m'orientais sur des choses alternatives, des choses que les gens rejetaient. Et un beau matin, mon cousin m'écrit sur Skype. Il me dit « Ton frère est mort ». Et je lui dis « Quoi ? Mon frère est mort ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ?» Et il me sort une nécrologie, nom, prénom, âge, ville, correspondent à mon frère. Quatre paramètres pour une toute petite ville. Quatre paramètres qui collent. Et immédiatement, je panique, j'appelle mes parents, je dis « Mais quoi, mon frère est mort, c'est quoi cette connerie ?» Mes parents me disent « Mais on est au courant de rien, alors c'est un peu la panique chez tout le monde. » Puis j'appelle mon frère, cet imbécile répond, donc ça va, on se calme un petit peu, et donc coïncidence de dingue. Et ce soir-là, c'est mon cousin qui m'avait averti au matin, mon cousin que je prends pour mon frère, qui décède dans un accident de voiture. Et donc là, j'ai une overdose. Je ne comprends pas les signes, je suis dépassé par tous ces trucs, je ne sais pas ce que je dois en déduire, ça me fait péter un plomb. Trop de pression, je me dépatouille dans ce truc-là, je sens que ça ne marche pas, que ça va dans tous les sens et que c'est lourd de sens et ça ne marche pas. Et je prends une décision très ferme ce jour-là, je me dis que ces choses existent ou n'existent pas, je ne veux plus rien avoir à faire avec elles. Et sans le savoir, je pratiquais pour la première fois depuis très longtemps ce qu'on appelle dans le scepticisme la suspension du jugement. Donc je me remets en état neutre par rapport à mes certitudes. Et le temps passe un peu et il se trouve qu'à un moment donné, deux, trois mois plus tard, j'ai un ami qui m'appelle, qui me fait « Ouais, j'ai découvert un YouTuber, tu vas surkiffer, c'est un type qui fait de la chasse aux fantômes, il s'appelle GusDX ». Il se met des caméras sur lui, il va dans des lieux hantés, et tu vas voir, c'est un sceptique, il cherche la vérité, lui. Et je regarde le truc, et moi, je n'étais absolument pas sceptique à l'époque, effectivement, la démarche de Gus me semblait être celle d'un sceptique. Et quelque part, je me laisse un peu tenter, je me dis, bah, tiens, si quelqu'un peut me donner des nouvelles de mon cousin, me dire s'il y a une vie après la mort, bah, ça va être ce gars-là, parce que je sens qu'il est sincère dans sa démarche. Et un beau jour, Gus DX filme cette fameuse scène dans la tour Moncade, pour ceux qui connaissent mon travail, qui ont suivi, où il y a une caisse à outils qui est sur une table depuis plus d'une heure sous une caméra, et à un moment donné, sans aucune raison, la caisse à outils pivote sur elle-même, tombe de la table, et là je me dis, il a la preuve, ça y est, c'est fait. Mais j'avais souffert de mes croyances, elles m'avaient vraiment fait mal, elles m'avaient piqué sévèrement, et donc je me suis dit, vérifie, télécharge le film, fais quelques manips, essaye au moins de regarder, comparer les plans, fais quelque chose. Et en même temps, il y a un truc qui luttait en moi, qui me disait, mais ça va servir à rien, c'est évident que c'est pas truqué. J'ai tellement confiance en Gus, j'ai regardé tous ses vlogs, il est sincère. Et puis, il y avait un petit conflit en moi, où il faut lutter contre son envie de ne pas vérifier. Ça, on le dit pas assez souvent, d'ailleurs. Et finalement, je télécharge le film, et je prends une image de chaque plan où on voit cette fameuse caisse à outils. Je les fais se succéder très rapidement l'une à l'autre. Il y a une variation de luminosité, sauf sur la zone de la caisse à outils où on voit apparaître un carré parfait tout autour. C'est donc un artefact de montage. Je tiens la preuve qu'il y a eu une manipulation de la vidéo, qu'il y a quelque chose dans la vidéo au niveau informatique qui ne fonctionne pas. Et là, j'ai aussi un retour de prudence où je me dis, mais je ne vais pas l'accuser non plus, parce que ce n'est pas non plus une preuve formelle. Et donc je fais cette vidéo où très simplement je dis « Gus, certes il y a le mystère des fantômes, mais il y a le mystère de ce carré, il faut aussi le considérer comme un mystère à expliquer, sans l'accuser. » Et cette démarche-là, cette prudence épistémique, on pourrait dire, a été repérée par une petite chaîne qui démarrait à ce moment-là, qui s'appelait la tronche en biais. La fameuse, oui. La fameuse tronche en biais. Et eux ont pris cette vidéo, l'ont republiée et m'ont félicité. Et cette félicitation-là, m'a fait me sentir accueilli dans un nouveau groupe social. Et on sait que ça, c'est un rôle très important, le groupe social, l'identification à un groupe social, on sait que ça a un rôle très important dans les conversions et déconversions.
Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à rebrousser chemin dans mon esprit et à reconsidérer tout ce que je tenais pour certains. Voilà la version courte. D'accord. Et à quel moment vous en êtes venu à créer votre chaîne, du coup ? Comment ça s'est passé ? Elle s'est faite au fur et à mesure. C'est ça qui est assez drôle, c'est que j'ai vu que j'avais un... Alors évidemment, je sors ma vidéo sur Gus, je me ramasse ma première shitstorm, comme on appelle ça, ma première vague de haters. Et donc voilà, ma belle feuille blanche que j'avais réussi à maintenir toute ma vie, où tout le monde m'aimait plus ou moins, était gâchée définitivement, entachée d'insultes. Je me rappelle, j'étais effaré, j'avais 60 commentaires négatifs. Mon Dieu, aujourd'hui, c'est le minimum. Et en fait, juste après ça, la façon dont j'ai analysé le truc, les gens m'ont dit « Ah, tu veux pas analyser encore un autre truc ?» Puis je me suis dit « Ah, je vais choper un autre sujet, qu'est-ce qu'il y a en ce moment ?» La révélation des pyramides. Tiens, quel documentaire intéressant. Et puis voilà, j'en ai fait un, puis encore un autre, puis encore un autre, puis finalement j'ai été accueilli dans cette communauté sceptique et voilà, 6-7 ans plus tard, je suis devenu un taulier du YouTube game, du sceptique YouTube game. Et voilà, donc aujourd'hui vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Monsieur Sam, très pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, et où vous faites de la vulgarisation, en gros, voilà, de l'explication sur le scepticisme, la zététique, ce genre de choses. Voilà, c'est une discipline qui regroupe qui emprunte à plusieurs domaines scientifiques, à l'épistémologie, à la philosophie des sciences, il y a les sciences cognitives, il y a la sociologie, et on va piocher un peu dans tous ces domaines scientifiques pour se faire une idée de ce qu'est ce machin indéfinissable. On pourrait débattre des heures sur ce que c'est l'esprit critique, mais on essaye de tourner autour de ça pour traiter les sujets de société, les sujets d'actualité et évidemment le paranormal, les croyances, etc. Très bien. Nathan Etendel. Alors moi, il me semble que vous n'étiez pas complotiste avant, ou alors en tout cas c'est quelque chose que j'ignore, mais pour le coup, vous avez en commun d'avoir aussi une chaîne YouTube, vous avez même deux chaînes, vous avez une première chaîne, si je ne me trompe pas, qui s'appelait La statistique expliquée à mon chat, c'est ça ? C'est ça. Et aujourd'hui, vous tenez une autre chaîne YouTube qui s'appelle Le chat sceptique. Vous faites aussi du scepticisme. Oui, je suis resté dans la même chose avec ça. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir surenchérir sur l'histoire de Sam. C'est compliqué. Ouais. Je crains malheureusement que mon cas est beaucoup plus ennuyeux, beaucoup plus chiant. Hein, je ne suis pas un ancien complotiste et je n'ai pas souvenir d'avoir cru en un truc particulier, genre je ne sais pas, les reptiliens ou des choses comme ça. Je n'ai pas souvenir d'être jamais tombé là-dedans. Moi, ce que j'ai eu, et qui est quelque chose que je pense que beaucoup de gens dans cette salle ont sans doute eu, c'est que j'ai été élevé dans une culture chrétienne et que dans ma famille, on était catholique. Et donc, quand j'étais petit, c'était normal d'aller de temps en temps le dimanche à l'église. C'était normal de faire ma communion. J'ai fait ce qu'on appelle en Belgique, et je suppose c'est pareil en France, ma grande communion. Donc j'ai fait tous ces trucs-là. Et je me souviens qu'à cette époque, par le passé, Dieu, j'y croyais vaguement. Donc tout le monde disait, tu peux faire une prière pour communiquer avec Dieu, ce genre de choses-là. J'y croyais vaguement, je ne comprenais rien au cours du catéchisme. On expliquait, il y a un type, il a ouvert la mer, ces trucs-là. Je me souviens déjà qu'à l'époque, je trouvais tout ça un peu suspect et que ça me paraissait... je ne comprenais rien, je ne comprenais strictement rien. Mais j'avais cette vague idée qu'il y avait Dieu au-dessus de moi et qu'il y avait moyen de communiquer avec lui. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis devenu un jeune adulte et que j'ai commencé mes études universitaires, je me suis retrouvé dans un milieu où personne ne parlait de ça, en fait. Donc je me suis retrouvé entouré d'étudiants, de professeurs, etc., où la question de la religion, personne n'en parlait, en fait. C'est comme si la religion n'existait tout simplement pas. La seule chose qui intéressait les gens sur le campus universitaire de l'Université libre de Bruxelles, c'était comment est-ce qu'on fait pour passer le cours de chimie, comment est-ce qu'on fait pour passer le cours de thermodynamique, qui était un truc qui terrorisait tous les étudiants, dont moi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les années, petit à petit, cette idée qu'il y avait un dieu au-dessus de moi, ça s'est simplement évaporé. J'ai arrêté d'y penser moi-même, j'ai arrêté d'y faire attention. Et il y a sans doute eu un moment, je ne sais pas quand, où je me suis plus ou moins fait une raison en me disant qu'il n'y avait sans doute pas de Dieu au-dessus de ma tête qui surveille ce que je fais et qui me juge et avec qui je peux communiquer par la prière ou ce genre de choses-là. Il y a eu un moment sans doute où je me suis dit tout ça, ça n'existe pas, mais je ne me suis pas rendu compte de quand c'est arrivé exactement. Donc je suis arrivé, je suppose, vers mes 25 ans peut-être ou un truc comme ça, où pour moi c'était juste de l'histoire ancienne et je ne pensais plus du tout à ces choses-là.
le scepticisme. Mon premier point de contact avec le scepticisme, ça a été un bouquin qu'on m'a offert quand j'étais adolescent, quand j'avais genre 14 ans, un truc comme ça, où c'est ma grand-mère qui m'a offert un bouquin que peut-être certains d'entre vous connaissent, d'Henri Broche, qui est « Soyez savant, soyez sorcier ». Je crois que c'était quelque chose comme ça le titre. Et qui, à l'époque où Internet n'en était encore qu'à ses débuts, ben, essentiellement, moi j'ai lu le livre à l'époque en long et en large, je l'ai lu même plusieurs fois, et il a eu une énorme influence sur moi également. Je le sens bien que c'est déjà à cette époque, juste via ce bouquin que j'avais lu, que ça m'avait beaucoup fait réfléchir sur pas mal de choses liées à ça. Et j'imagine que ça a été la graine, ça a été le point de départ de ce qui allait devenir un scepticisme beaucoup plus marqué chez moi au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma formation. Ce qui s'est passé, c'est que durant mes années à l'université, ben, moi je me suis révélé un très bon statisticien. Et donc j'ai fait une thèse de doctorat en statistique par la suite d'ailleurs. C'était le truc dans lequel j'ai le plus brillé. Et il se trouve en fait qu'il y a une intersection énorme entre une certaine manière de penser, entre le scepticisme, je vais dire, de manière générale, et la statistique, notamment dans la manière dont on va poser en statistique ce qu'on appelle des hypothèses nulles. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, si vous avez déjà entendu parler du principe de l'hypothèse nulle en statistique, mais pour essayer de relier ça à un exemple concret dans le monde courant, imaginez vous intéresser au monstre du Loch Ness, et vous vous posez la question qu'on est nombreux à se poser, est-ce qu'il y a un monstre dans le Loch Ness en Écosse. Et il y a deux manières d'aborder le problème. Soit vous pouvez vous dire, moi de base, j'y crois, je dis, il y a un monstre dans le lac, il y a un monstre dans le Loch Ness, j'y crois, et je cherche des preuves qu'il n'y a pas de monstre. Okay ? Donc votre position de base, c'est de dire, j'y crois et je vais chercher des preuves que le monstre n'existe pas en fait. Il y a une autre manière de le faire, c'est de partir du principe qu'il n'y a pas de monstre, donc vous dites de base, moi, j'y crois pas, et je vais chercher des preuves qu'il existe. Donc on a ces deux angles d'attaque. Soit on part du principe qu'il y a un monstre et on cherche des preuves qu'il n'existe pas, soit on part du principe qu'il n'y en a pas et on cherche des preuves qu'il existe. Et il se trouve qu'en statistique, cette problématique se traduit en termes d'hypothèses nulles et hypothèses alternatives, et on se rend très vite compte qu'il y a l'un des deux angles d'attaque. Si on essaye de le traduire en des termes mathématiques et en statistiques, on se rend très vite compte que les maths derrière ne vont plus fonctionner, que tout va s'écrouler, que ça ne va pas du tout bien se passer, qu'il y a un seul des deux angles d'attaque qui va correctement fonctionner, qui va permettre de calculer des choses et d'avancer tout simplement avec cette problématique. Et dans le cas du monstre du Loch Ness, eh bien, la bonne manière d'aborder le problème qui permettrait aux maths, ça va être dur de traduire l'histoire du monstre du Loch Ness en des histoires de maths, hein, mais admettons, la manière d'aborder la chose qui va permettre de faire fonctionner les maths derrière, c'est de partir du principe qu'il n'y a pas de monstre, qu'on part de base du fait qu'il n'y a rien dans le Loch Ness, il n'y a pas de monstre, et on va essayer de chercher des preuves qu'il y a un monstre effectivement dans le lac du Loch Ness. Et donc cette manière de réfléchir, elle est vraiment très importante en statistique, on l'enseigne en statistique en long et en large, et c'est très vite beaucoup de fun quand on se met à essayer de l'appliquer à des problèmes dans le monde réel comme le Loch Ness ou l'existence des extraterrestres, ce genre de choses-là. Et donc sans le réaliser, en devenant statisticien, je suis un peu devenu sceptique aussi par la force des choses à cause de ce genre de situation, par exemple. Moi, mes vidéos YouTube, puisque je tends à être assez connu pour la chaîne Chasse Sceptique, qui sont des vidéos où je fais des petits chats animés pour parler de principes statistiques et de principes d'esprit critique. Moi, ça a commencé en fait où, durant mes années de thèse, j'ai enseigné également la statistique pour mon université. Et pour faire des supports à mes cours, à ce que j'enseignais à mes étudiants, je me suis dit, ce serait vachement cool si je faisais des vidéos marrantes à destination de mes étudiants. C'est comme ça que ça a commencé de mon côté. Et donc les vidéos que j'ai faites initialement, il y a de ça plus de 6 ans maintenant, les premières que j'ai faites, elles n'étaient à la base destinées que pour mes petites classes de 20 étudiants à la fois, quelque chose comme ça. Ils appréciaient beaucoup ces vidéos. Je les ai mis sur YouTube, parce que YouTube est une interface qui fonctionne assez bien, en fait, hein, c'est assez bien fichu, il fallait bien que je mette les vidéos quelque part pour les partager aux étudiants, donc j'ai essayé YouTube, et ce qui s'est passé, et qui était pour moi relativement inattendu, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens en dehors des cours que je donnais qui se sont mis à regarder ça sur YouTube aussi. Et quand je dis beaucoup de gens, ça a grimpé très vite, de quelques centaines de vues, on est passé très vite à quelques milliers, puis quelques dizaines de milliers, et finalement, parfois des centaines de milliers de vues sur ces vidéos félino-statistiques, ou félino-sceptiques si on préfère. Et par la force des choses, en fait, je me suis rendu compte que si je voulais vraiment avoir un impact
et faire avancer des idées sceptiques, des idées statistiques, qu'en fait c'était beaucoup plus efficace de faire une vidéo que d'essayer de l'enseigner dans des classes où on fait face à 20 personnes à la fois ou ce genre de choses-là. Et donc cette activité de faire des vidéos sur YouTube, progressivement, je l'ai développée et aujourd'hui ça occupe la moitié de mon temps professionnel en fait. La moitié de mon temps chaque semaine au moins est consacrée à la construction de ce genre vidéo et l'autre moitié je continue de faire l'enseignement des statistiques pour l'université. Donc une histoire très différente de celle de M. Sam, mais où, et c'est ça que moi je trouve qui est très chouette, c'est une histoire où M. Sam et moi, ben, on s'est rencontrés comme ça en fait, par la force des choses, par YouTube, par le scepticisme, on a appris à se connaître, ça fait des années maintenant que lui et moi on se fréquente, on est tous les deux belges et le hasard des choses fait que lui il avait installé son bureau à genre 100 mètres de là où moi j'habitais en Belgique, tout à fait par hasard. Hein, c'est la preuve que le hasard n'existe pas Nathan. Certainement. Et c'est ça que je trouve aussi très chouette, c'est que comme Sam, où Sam disait que le scepticisme, c'est une communauté aussi, c'est des gens qui se connaissent, qui se serrent les coudes, etc. On a l'impression, on sent qu'on fait partie de quelque chose qui est plus grand que nous et on a tous, je pense, besoin à un moment ou à un autre de notre vie d'avoir l'impression qu'on fait partie de quelque chose qui est plus grand que nous. Moi aussi, via le scepticisme, je l'ai retrouvé et je me suis fait des amis tout à fait inattendus, comme est Monsieur Sam, par exemple. Oui, c'est une communauté qui grandit en plus, de plus en plus. Oui. Ça, je sais pas, mais en tout cas, je l'espère. J'ai l'impression, en tout cas, de ce que je vois. Ou alors, au niveau public, oui. Au niveau public, oui. Du public, en tout cas, oui, tout à fait. Pascal Wagner-Hager, alors vous n'êtes pas tout à fait comme les deux autres, en tout cas. Enfin, je ne sais pas, peut-être que vous étiez peut-être complotiste avant comme Monsieur Sam, je ne sais pas, c'est quelque chose que j'ignore. Non, alors moi j'ai un parcours qui est plus proche peut-être de Nathan, mais j'ai été impressionné aussi par le documentaire Loose Change, comme je le disais ce matin. Donc évidemment, on est tous attirés par ces données en apparence bizarres et on croit très vite, donc ça ne m'a pas échappé. Mais j'enseigne aussi les statistiques, mais sans être statisticien par contre, donc je suis psychologue social et je m'intéresse surtout aux croyances. En fait, c'était ça le point de départ dans mes études. J'ai une formation plutôt scientifique à la base et après, je trouvais intéressant la psychologie, parce qu'il y avait à la fois l'aspect scientifique, méthodologie statistique, mais il y avait aussi des cours beaucoup plus sociologie, anthropologie, même philosophie. Donc c'est ça que j'ai trouvé qui m'a intéressé dans ce domaine-là. Et alors aussi enfant, j'ai aussi fait les cours de religion, l'école du dimanche. Donc je pense que je devais être très turbulent pour que mes parents me mettent le dimanche dans une école de religieuse. Mais on a été vite viré de là pour inconduite. Donc voilà, j'ai pas été tout à fait séduit par ces idées. Après, les croyances, c'est peut-être un questionnement existentiel. Quand on est 20, 25 ans, là, on est jeune. Et j'ai toujours été fasciné par les croyances en général. Et j'avais commencé dans un cours d'anthropologie à étudier ces croyances sur le hasard, sur la pleine lune et ces choses-là. Donc c'est de là que c'est parti. Et peut-être, alors j'ai dit que les théories du complot sont arrivées avec cet article sur la théorie du complot Apollo sur la lune. Mais je dirais qu'il y a peut-être un épisode précédent qui m'a pu me faire intéresser à ce genre de phénomène, c'est-à-dire que j'ai rencontré une personne qui était paranoïaque à un stade très avancé. Et c'est une personne que j'ai écoutée pendant des heures, pendant des années, une fois ou deux par semaine, et j'écoutais, je parlais. Et j'ai remarqué, ce qui m'avait frappé là, c'est l'aspect un peu presque délirant, enfin un aspect... l'immense solitude du paranoïaque, c'est-à-dire que dans les phases de crise aiguë, finalement, tout le monde est contre lui, y compris les gens qui veulent l'aider. Moi, qui voulais l'aider, tout à coup, je faisais partie du complot, parce que pourquoi s'arrêter, puisqu'on soupçonne sans preuve, pourquoi s'arrêter au médecin, et on finit par être seul dans une espèce de prison horrible. Et donc, j'ai été... Et le fait d'avoir parlé, d'essayer de le raisonner, ça n'a fait absolument aucun effet, donc j'avais déjà cette impression d'impuissance face à une croyance extrême qu'on peut pas réfuter. Donc, je pense que ça m'a intéressé, après, de voir aussi ce critère de réfutabilité chez Popper, dans les sciences, où on se dit, finalement, la méthode scientifique, les scientifiques sont comme les autres, ils veulent confirmer leurs croyances, mais ils ont inventé un système extérieur qui les oblige à les réviser, même s'ils ne veulent pas eux. D'abord, ils doivent les confronter à la réalité, donc avec la méthode empirique, et ça, c'est déjà un frein, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Hein, si les données sont clairement à l'inverse de votre théorie, vous ne pouvez plus maintenir votre théorie très longtemps. Enfin, vous pouvez toujours, mais voilà, de moins en moins. Et l'autre aspect de la méthode scientifique qui fait qu'en fait, c'est des croyances, mais qui ont une méthode pour essayer de les
de les infirmer. Et l'autre aspect, c'est l'aspect social. C'est que si vous-même, vous produisez que des données pour confirmer votre théorie, les autres pourront dire non, on n'est pas d'accord, voilà pourquoi, et produire d'autres données qui montreront que vous avez tort. Donc finalement, ces deux aspects-là, c'est le seul endroit que je connais où l'être humain a essayé de proposer une méthode pour essayer de trier le vrai du faux. Hein. Donc, et ça, je pense que voilà, j'ai été intéressé un petit peu par ces aspects-là. Donc tous les trois, vous intéressez à des sujets proches, donc qui sont le complotisme, l'esprit critique en général, le scepticisme, depuis déjà plusieurs années. Est-ce que vous pensiez à l'époque que ça allait prendre l'ampleur que ça prend aujourd'hui avec la crise qu'on connaît avec le Covid, avec les débats qu'on a aujourd'hui et le nombre de complotistes qu'on voit, en tout cas qu'on entend plus qu'avant? Est-ce que vous pensiez que c'était des sujets qui allaient émerger ou vous le faisiez parce que ça vous intéressait et basta? Alors moi, pas du tout, hein, parce que j'étudiais ces croyances sur la pleine lune qui sont très marginales finalement. Donc il y a quelques personnes qui y croient, mais c'était pas du tout. Je pensais pas du tout que ça allait prendre autant. Et comme je le disais ce matin, j'étais dans les congrès, j'étais dans les divers. Il n'y avait pas d'intérêt. On se disait c'est des trucs un peu exotiques, mais c'était intéressant quand même. Donc comme quoi, la recherche fondamentale, hein, ça peut être utile. Au risque de décevoir l'audience, moi, par rapport à ce que je fais, j'ai pas genre un grand plan, un dessin, une idée d'un objectif final qu'il faudrait atteindre et qui serait mieux. Hein. Ce que je fais, je le fais tout simplement parce que je vais dans la direction de ce qui a l'air de fonctionner et qui me permet assez platement de vivre aussi tout en m'amusant un minimum. Et donc, quand j'ai commencé à faire des vidéos statistico-sceptiques à destination de mes étudiants et que, surprise, ça a bien marché, j'ai tout simplement poussé dans cette direction, c'est aussi bête que ça. Et encore aujourd'hui, les vidéos que je fais, si je vois qu'il y a des sujets qui n'ont pas l'air d'intéresser grand monde, et ça arrive, hein, si je fais des sujets parfois un peu trop mathématiques, je vois bien que l'audience en général est un peu moins intéressée, c'est comme ça. Et donc c'est volontairement des sujets que du coup je me dis, bon, ça n'a pas l'air de tellement intéresser les gens, donc je vais peut-être essayer de trouver un autre sujet pour la prochaine vidéo. Donc il n'y a pas un aspect calculateur dans ce que je fais, ou il n'y a pas un aspect particulièrement intelligent en réalité dans ce que je fais. Je pousse tout simplement dans la direction où le public a l'air de vouloir que j'aille. Ce qui, j'en suis parfaitement conscient, présente également un risque, parce que la direction dans laquelle le public peut éventuellement me pousser n'est peut-être pas une direction qui est bénéfique de manière générale pour tout le monde. Ça, c'est une autre question aussi. On peut aussi toujours poser la question de, quand je fais une vidéo de vulgarisation sur la stat ou sur le scepticisme, est-ce que je suis en train de toucher à un sujet qui est vraiment important? Est-ce que je suis vraiment en train de m'occuper de quelque chose qui est pertinent de traiter là, maintenant, à cet instant, par rapport à tous les autres problèmes qu'on pourrait avoir dans la société ou ce genre de choses-là? Donc, ce sont des discussions compliquées en fait de qu'est-ce que je devrais faire, de quel sujet je devrais traiter, etc. Et également par rapport à ce que moi j'ai envie de faire, il faut que ça reste fun pour moi, il ne faut pas que ça commence à devenir un cahier de charges, parce que si ça perd tout attrait pour moi, si ça devient juste un job, un bad job que je dois appliquer, je suis sûr que la qualité ne sera plus au rendez-vous non plus, ça va se sentir, vous voyez ce que je veux dire, il faut que ça reste amusant pour moi. Et donc essentiellement, moi ce que je veux transmettre comme message, peut-être un peu décevant, c'est que j'ai aucun plan, je ne sais pas où tout ça va aller, je ne savais pas spécialement que ça allait prendre autant d'ampleur, et essentiellement, je vais continuer de vivoter par rapport à ça, comme je l'ai fait jusqu'à présent, quoi. Donc je ne sais pas de quoi sera fait le futur par rapport à tout ça. Samuel ? Oui, alors moi évidemment, comme j'ai découvert au fur et à mesure que j'étais en train de devenir sceptique, je n'avais pas d'idée préconçue, mais si on prend un petit peu de recul et qu'on parle avec des vétérans de la zététique, des gens qui étaient là justement à l'époque d'Henri Brock dans les années 90, la zététique et le scepticisme sont restés assez confidentiels et n'ont pas eu une montée de succès pendant très longtemps, en fait, jusqu'à l'apparition des réseaux sociaux et de ce que Bronner appelle la dérégulation du marché de l'information, c'est-à-dire le moment où la vie du quidam du coin réussit à avoir autant de visibilité qu'un article de presse ou un article de journal. Et donc, dans ce... J'ai l'impression qu'il y a une corrélation importante entre l'apparition de cette dérégulation du marché de l'information et l'utilité des sceptiques en tant que, je dirais, phare dans la façon de trier les infos des infox.
D'ailleurs, il y a pas que les sceptiques, hein, y avait justement les débunkers, il y a eu Hoaxbuster qui a pris beaucoup d'essor à un moment donné. Ça a été justement une explosion, presque, j'ai envie de dire, comme une réaction immunitaire de la société. Il y a le scepticisme qui a gagné en succès et en visibilité. Maintenant, le mot esprit critique, on le voit partout, c'est devenu un truc dans le langage courant. Mais c'était assez confidentiel, c'était assez obscur, c'était assez... Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, quand je disais esprit critique, il y a des gens qui pensaient encore que c'était juste critiquer. Juste ça que ça voulait dire, la capacité de critiquer les choses. Et donc, il y a un beau crescendo, il y a une belle évolution de la visibilité de tout ce petit mouvement et de son utilité aussi. Par contre, ce à quoi je ne m'attendais pas, même si je le flairais un petit peu, c'est à quel point dans des situations graves comme la pandémie et peut-être dans quelques années comme les problèmes dus au réchauffement climatique, enfin, ça, c'est un truc que je sens venir à toute vitesse, cette discipline va être importante, va être centrale et sur toutes les lèvres. Et maintenant, les gouvernements s'en emparent d'ailleurs et font des tentatives pour apporter plus d'esprit critique dans les médias, plus d'esprit critique dans l'enseignement, plus d'esprit critique. On en demande, on en veut, on sait que c'est là qu'il y a quelque chose à faire, qu'il faut que ça bouge. Donc Ouais, effectivement, on en parlait hier avec Aude Favre, qui est venue nous parler un peu de son documentaire passé sur Complément d'enquête, et qui fait partie d'une commission, la commission Ambronner, justement, qui a pour objectif de faire des propositions, bon, c'est encore un peu nébuleux pour l'instant, mais visiblement de faire des propositions contre le complotisme, contre le développement des fake news en France, pour le coup. Alors, je ne sais pas si vous, dans vos pays respectifs, parce que donc, vous vivez tous les deux en Belgique, Nathan et Samuel, et Pascal en Suisse, est-ce que vous avez déjà été approchés par des pouvoirs publics, par des organismes dans vos pays respectifs ou même en France pour apporter votre pierre à l'édifice sur que ce soit la lutte contre le complotisme ou d'autres sujets de ce genre? Me concernant, j'ai pas vraiment été approché. C'est plutôt la situation inverse où on essaye, nous, de courir derrière les autorités pour essayer de les convaincre du bien fondé de ce qu'on fait et que ça a son utilité. Et donc, moi, de mon côté, j'ai déjà réussi à convaincre à deux reprises un fonds bruxellois pour l'innovation de tout simplement aider au financement des vidéos du chat sceptique. Donc ça, c'est déjà un petit succès. Mais ça reste des choses qui sont ponctuelles. Hein. Il n'y a pas un grand projet ou quelque chose comme ça à ma connaissance par rapport à ça. Et la situation en Belgique est d'autant plus délicate que la Belgique, elle est fracturée en deux selon la langue, en fait. Ou pour ceux qui l'ignorent, en Belgique, la langue dominante est le néerlandais. La culture dominante est la culture néerlandophone et pas la culture francophone. Et donc... S'il va se passer quoi que ce soit en Belgique, c'est déjà la question de est-ce que ça va être un truc à l'échelle fédérale qu'il faudra traduire dans les deux langues, ou est-ce que chaque région va faire un petit peu sa petite popote. C'est toujours très compliqué en Belgique quand il s'agit d'organiser des choses comme ça. Quoi. Là, oui. Donc voilà. Moi, j'ai été désespérément peu approché, pas du tout. Il y a quelques jours, j'étais sur un plateau de télé face à des députés du MR, je ne sais plus quoi, enfin bref. Le MR, c'est le grand parti de droite francophone belge. Ouais. Et ils expliquaient, puisque le sujet était les nouvelles mesures face à la pandémie, ils expliquaient qu'ils avaient pris des nouvelles mesures et le citoyen pouvait s'informer en allant sur des sites internet et ils s'étonnaient d'une manifestation qui avait réuni 35 000 participants contre le vaccin, etc. Et je trouvais ça assez dingue qu'à aucun moment, ces personnes qui sont responsables de ces trucs-là ne se demandent pas pourquoi les gens... remettent en défiance comme ça l'autorité, ne vont pas d'eux-mêmes sur les sites internet se renseigner. Ils ne se posent pas cette question, ils se lavent les mains en disant, ben voilà, on a fait un site covid-je-sais-pas-quoi.be, mais voilà, il y a tout pour bien faire, et ça ne marche pas, c'est étonnant, c'est manifestant. Donc il y a vraiment, on est très très loin d'être contacté par nos autorités, par nos gouvernements pour faire quelque chose, je pense. C'est vraiment pas près d'arriver. Peut-être un jour, on ne sait pas. Pas tout de suite, en tout cas.
Et côté Suisse, alors ? Alors oui, puis les scientifiques, oui, parce qu'on m'a, j'ai eu des contacts avec les autorités scientifiques en Suisse. La task force a demandé un rapport sur la désinformation, ce genre de choses, théorie du complot. Donc assez vite, ils ont vu qu'il y avait ce problème avec l'information scientifique et aussi le Conseil suisse de la science à Berne. Donc je suis allé. Et puis là aussi, on a surtout dit qu'on était des sociologues, des gens essentiellement sciences sociales. Et on a dit que c'est vrai qu'il y avait dans les task force, il y avait toujours des gens des médecins et biologistes. Et il faudrait aussi peut-être des gens de psychologie, sociologie aussi pour les aspects un peu justement de croyance, de diffusion de l'information, communication, tout ça, ce serait utile, je pense. Oui, effectivement, et j'ai l'impression qu'on fait effectivement appel à des scientifiques, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, mais qu'effectivement, il y a pas mal de gens ailleurs, comme des youtubeurs, comme des spécialistes ou pas d'ailleurs, qui auraient des choses importantes à dire et qui sont pas forcément consultés parce que... Bah, voilà, vous n'êtes pas forcément scientifique à la base et on a toujours cette vision du youtubeur qui n'est pas forcément très à même de répondre à ces questions, alors que c'est faux. Une fois sur deux, quand on se fait interviewer en Belgique pour notre statut de youtubeur, c'est pour nous demander combien on gagne. C'est la grande question favorite des journalistes. Quand on nous demande une interview en tant que youtubeur, la seule chose qu'ils ont envie de nous demander, c'est combien vous gagnez. Est-ce que c'est vrai que vous êtes riche? C'est systématiquement la question qui revient. Tant et si bien que Sam et moi, on s'est dit, tiens, l'année prochaine, festival où on est invité en qualité de youtubeur en Belgique, si comme d'hab les journalistes veulent faire une interview et que comme d'hab ils vont nous demander la question, hey, alors vous gagnez bien votre vie, qu'on va volontairement répondre n'importe quoi. Pour 25 000 euros par mois. Quelque chose, voilà, on va vraiment exagérer le truc et dire ouais, on est millionnaire, c'est un bon business, on gagne extrêmement bien notre vie, juste pour voir est-ce qu'ils vont mordre à l'hameçon de cette connerie, est-ce qu'ils vont la diffuser, on a un plan. Très bien. Bon, mais combien vous gagnez en fait du coup alors? est-ce qu'il y a des questions dans la salle autre que le salaire des youtubeurs? Monsieur ici, ouais. Je ne sais pas s'il y a un micro qui... Ouais, il y a un micro qui arrive. Merci pour vos conférences. J'ai une question qui pourrait être générale, mais bon, vous m'avez donné déjà une première piste. Parlez bien près du micro, si on ne vous entend pas trop. Merci. J'en prie. Il me semble que la culture, en général, permet de se prémunir de fausses informations, notamment le fait que vous soyez graphiste, vous avez pu calculer et analyser un film, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et grâce à ça, vous avez pu visualiser qu'effectivement, il y avait une saute ou un cache sur l'image. Les armes qu'on peut avoir, que ce soit philosophique, religieuse, technique, je pense religieuse aussi, ça peut être aussi une démarche intellectuelle de croire et puis de pouvoir honnêtement se poser des bonnes questions. À quel point ça permet de se prémunir justement de fausses informations, d'informations erronées ou tendancieuses. La culture, tu veux dire? Oui, exactement. Mais une culture qui peut être vraiment très large. Un graphiste, c'est pas statisticien pour le coup. Mais ça joue aussi, ça vous a aidé, en tout cas pour le coup, de remettre en question, de voir les choses autrement, avec un autre biais. Et à quel point aussi, plus on en sait, plus on va être réfractaire à se remettre en question. Qu'est-ce qui pourrait jouer sur ce genre de j'ai du mal à formaliser ma question, mais est-ce que vous avez vu ce que je voulais dire? Moi, je vois plus ou moins, mais par contre, je ne peux pas te répondre. Je sais qu'il y a... il faudrait demander à un historien des religions ou je ne sais pas quoi, tu vois, peut-être pouvoir un petit peu s'il y a une corrélation entre, je ne sais pas, l'apparition de l'imprimerie et la baisse de religiosité, ou tu vois, des trucs comme ça, ce serait intéressant d'étudier. Mais je ne crois pas que c'est un effet de ouf quand même, parce que là, aujourd'hui, tu vois, on pensait que l'accès à l'information allait... augmenter les connaissances globales, bon, un peu, mais pas que. Ça a quand même vachement favorisé l'essor du complotisme, l'essor des croyances les plus délirantes. S'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui croient que la Terre est plate, c'est grâce aux moyens de communication et à l'accès à la culture, mais justement la liberté de cette liberté de l'information, elle est à double tranchant et pour l'instant c'est pas l'information la plus vérifiée qui l'emporte, j'ai envie de dire. Donc la question, elle est éminemment complexe, elle fait rentrer plein de paramètres en compte
Et je ne crois pas que, déjà que je sois capable de répondre, et je pense qu'il faut plusieurs disciplines pour pouvoir y répondre. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues. Démerdez-vous. Oui, bah, la culture, alors nous on regarde aussi est-ce que la culture, les différentes cultures par rapport au complotisme par exemple, est-ce qu'il y a des différences? Et oui, on trouve selon les valeurs culturelles, selon des valeurs plus masculines, on dit qu'il y a des sociétés plus masculines, c'est-à-dire un peu plus sexistes en fait, et là il y a plus de complotisme aussi, donc il y a des caractéristiques culturelles qui peuvent, oui bien sûr, favoriser ou non, mais il y a aussi cette base, l'hypothèse, hein, cette base cognitive ou des biais cognitifs qui devraient être neurologiques. Donc il y a aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un aspect commun à toute l'humanité et bien des variations culturelles et sociales. Et ça, c'est toute la difficulté des sciences sociales, c'est d'essayer d'étudier ces différents facteurs à différents niveaux. Mais on peut y arriver, enfin on essaye en tout cas. Je crois qu'il y avait une autre question juste ici, ouais. Oui, je voulais savoir, tout à l'heure vous parliez de ce que des États pouvaient faire pour lutter contre la diffusion de ce type d'informations. Donc en France, on peut être condamné pour des propos liés à l'antisémitisme, au racisme, qui sont des opinions personnelles qu'on va exposer au public. Est-ce que vous savez si on peut être condamné pour la promotion de théories du complot? Est-ce que vous savez s'il y a des outils juridiques qui permettent de condamner des gens qui véhiculent des théories complotistes, puisqu'on peut le faire sur des propos qui ont lié au racisme, à la xénophobie, incitation à la haine, tout ça, on peut être condamné. Donc ça reste des opinions au départ. Est-ce que justement sur le complotisme, il existe ce genre de procédure? A priori, il n'y a rien, parce qu'il y a de sacrés gourous qu'on essaye de faire tomber depuis un moment. Enfin, mais il n'y a rien qui... Là, tu touches à la liberté d'opinion. Hein, c'est chaud comme dossier. Alors, il y a des petits trucs qui se mettent en place. Par exemple, YouTube a fait beaucoup de démarches pour moins mettre en avant les contenus complotistes. Mais du coup, pendant toute une période, ils ont moins mis en avant les contenus qui débunkaient les complotistes, parce que le robot, il a un petit peu du mal à faire la différence. Bon, maintenant, ça a l'air de s'arranger un peu mieux. Je pense que c'est plutôt au niveau privé qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais au niveau légal, il n'y a rien du tout. Rien. À ma connaissance. Oui, c'est seulement quand il y a passage à l'acte, ou là, dans d'autres domaines, et tant quand ça touche à l'antisémitisme et au racisme, mais sinon il n'y a pas... Ou au médical, quelqu'un qui donne des conseils médicaux sans être médecin, mais pas sur ses propos complotistes, même si, effectivement... Ouais. Bah, là, ça relève aussi de la liberté d'expression. Moi, je pense qu'aussi les victimes d'une théorie du complot pourraient, eux, porter plainte pour calomnie et diffamation, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, une accusation sans preuve suffisante. À nous, on nous a menacés de nous poursuivre à cause du terme de complotiste. On nous a dit c'est de la calomnie, de la diffamation. Puis là, j'ai dit quand même, d'accuser un ministre de vouloir tuer sa population, c'est un peu plus calomnieux que le terme de complotiste. Mais voilà, ça relève de la liberté d'expression. Et ce qui est drôle, c'est que les complotistes veulent limiter la liberté d'expression au nom de la liberté d'expression. Donc ça, on me l'a sorti. On m'a dit, j'ai la liberté d'exprimer mon opinion, ce qui est vrai, et vous n'osez pas utiliser le terme de complotiste. Puis j'ai dit, mais alors, je n'ai pas la liberté d'expression, d'exprimer mon opinion, que votre opinion est complotiste. Donc oui, ça ne joue pas, on a le droit de le dire et de dire que c'est complotiste. Et pour une bonne ou une mauvaise raison, il y a des gens qui utilisent le complotiste à tort et à travers. Même les complotistes eux-mêmes disent, vous allez me traiter de complotiste si je dis ça, et je leur dis non, ça, ce n'est pas complotiste, c'est juste anti-science ou anti-scientifique. Mais donc c'est assez drôle de voir ça. Mais non, je pense que ça relève vraiment de la liberté d'expression tant qu'il n'y a pas de radicalisation, de passage à l'acte. Oui, je pense que effectivement c'est compliqué de légiférer là-dessus. J'ai l'impression que c'est un peu l'objectif de cette commission dont on parlait à l'instant, c'est peut-être de légiférer, en tout cas de faire des propositions là-dessus, mais effectivement c'est compliqué de légiférer. Si on parle d'un mensonge par exemple sur Internet, qu'est-ce qu'on fait du mensonge, et à partir du moment où une personne dit quelque chose, comment prouver qu'elle l'a dit parce que elle s'est trompée, ou alors parce qu'elle vraiment elle voulait induire les gens en erreur. Donc effectivement, je pense que c'est un peu compliqué. Après, il existe, comme vous disiez, Pascal, sur les dérives sectaires, par exemple, il existe des moyens de porter plainte. Il y a des structures comme la Miviludes qui s'occupent de ça aussi, mais c'est un peu, c'est dans des cas particuliers en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Il me semble avoir vu une main. Oui, madame.
Que répondez-vous aux gens qui vont relativiser en fait la méthode scientifique? Est-ce que c'est quelque chose qui est culturel aussi et qui pourrait, dans un autre avenir, démontrer une infiabilité? Enfin, est-ce qu'on peut l'envisager, ça? Ou est-ce qu'il y a des bases plus solides? Je ne comprends pas du tout la question. Alors, relativiser la méthode scientifique, tu veux dire quoi? Oui, oui. Alors, en fait, je me rappelle une dispute que j'ai eue avec quelqu'un qui, pourtant, a une formation scientifique et qui... et donc, c'était à l'époque de Raoult et tout ça, et qui disait que les méthodes scientifiques ne garantissaient pas les choses puisque, par définition... d'autres données pouvaient remettre en question les savoirs acquis. Et que du coup, la méthode scientifique, entre guillemets, en tant que telle, en tant que process, pouvait lui-même être mis en question plus tard, quoi. Oui, ça, c'est des questions philosophiques très, très pointues en philo des sciences. Alors, je pose cette question pour savoir si... Enfin, je pense que ça peut être utile, parce que ça a été légèrement abordé tout à l'heure. De l'intérêt, en fait, et que comment, quand on discute avec des personnes, au-delà de l'argument d'autorité, de la position de quelqu'un, certains emploient des méthodes pour démontrer des choses qui sont peut-être plus fiables que d'autres. Et jusqu'à ce que l'emploi de cette méthode peut être mis en question ou pas? Alors, moi, je dirais que... Excusez-moi, je ne suis pas claire. Oui, oui. Non, mais c'est une bonne question parce qu'effectivement, une étude scientifique, on a vu pendant la pandémie spécialement qu'une étude scientifique ou un savant, ça, ce n'est pas une source fiable, suffisamment fiable. Et on voit nous-mêmes aussi, nos études scientifiques, on voit que certaines ne sont pas réplicables ou peu réplicables. Donc, on a tendance aussi, il y a des problèmes dans les sciences de réplicabilité, et sans doute pas seulement en psychologie, mais dans toutes les sciences. On publie assez rapidement quand ça marche, puis quand le résultat est beau, puis qu'il y a quelque chose à en dire, mais on vérifie des fois pas suffisamment. En physique, ils sont aussi en train de le faire parce qu'ils ont publié une fois avec l'histoire des neutrinos, ou je ne sais plus quelle histoire. Oui, le fameux... Et voilà, donc on est en train aussi en science d'être plus prudent, mais surtout, si vous vous rappelez, le schéma que j'ai montré ce matin, c'est cette pyramide. Hein, c'est-à-dire qu'une étude scientifique, c'est de loin pas suffisant. Un savant aussi génial se dit-il de lui-même, c'est pas suffisant non plus. Il faut répliquer, il faut que des autres répliquent indépendamment partout dans le monde, et ensuite faire ces méta-analyses. Et c'est là qu'on arrive à ce qui est la moins mauvaise forme de pensée. Alors, bien sûr, il y a des études scientifiques qui peuvent être payées par l'industrie, il y a des savants qui fraudent, mais plus vous avez d'études, et moins ça devient probable. Donc on peut quand même toujours garder l'idée que la méthode scientifique, de toute façon, c'est la moins mauvaise de toutes, hein, parce que justement, elle n'est pas parfaite. Et il y a quand même aussi cette distinction d'Étienne Klein entre les connaissances scientifiques, dont on va plus vraiment revenir dessus, ou alors il faut des données énormes pour revenir sur l'idée de la structure de l'atome, hein, avec le noyau, les électrons. Alors au niveau microscopique, oui, on va peut-être modifier, mais ce modèle-là, on l'utilise maintenant depuis, et on l'utilisera peut-être toujours, ou la forme de la Terre, on n'y revient plus vraiment, sauf si on est totalement anti-science. Donc je dirais, il y a quand même des acquis qu'on peut toujours remettre en question, mais plus c'est acquis, plus ça fait longtemps que c'est sûr, et plus il faut des preuves énormes pour arriver à renverser ça. Donc je dirais, voilà, ce qu'on peut dire de la science, c'est comme un espèce d'édifice qui se construit, qu'on peut détruire par endroits, mais voilà, les fondations, elles sont de plus en plus difficiles à détruire, parce que ça fait des siècles qu'on les... Comme le darwinisme, hein, la théorie de Darwin, le même médecin qui s'aventurait dans tous les domaines nous disait qu'on pouvait... Il aimait pas parce que c'est comme un dogme, mais c'est pas un dogme, c'est une théorie qui a été tellement... validé par plein de disciplines différentes, que si vous voulez remettre en question cette théorie, il vous faut plus que juste l'idée qu'elle n'est pas vraie. Donc il faut arriver avec des données dans 10 disciplines scientifiques différentes qui montrent, qui contredisent, et il faut encore arriver avec une nouvelle théorie qui explique mieux. Hein, ça aussi, quand on parle de théorie scientifique, moi j'aime bien le philosophe des sciences Lakatos, un peu mon préféré, parce que et il montre que
on ne peut pas non plus vraiment réfuter une théorie, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait une étude qui montre que la théorie est fausse. Ce qu'il faut, c'est arriver avec une nouvelle théorie qui non seulement explique tout ce qu'explique l'ancienne, mais en plus amène de nouvelles prédictions qui sont elles-mêmes corroborées. Et c'est par exemple ce qui a été le cas d'Einstein avec sa théorie de la relativité par rapport à celle de Newton. Des siècles après, on pensait que c'était vrai, que c'était la bonne théorie. Et Einstein est arrivé avec des choses, d'abord, on ne le croyait pas, mais il a fait des prédictions très audacieuses qui encore aujourd'hui sont confirmées. Et toute la communauté a changé. Donc ça montre aussi le fonctionnement de la communauté scientifique. Ça, c'est très important pendant la pandémie. Moi, j'ai répété ça tout le temps parce que, justement, Raoult, s'il a raison, il doit produire des données jusqu'à que la majorité soit convaincue. Il n'y a pas d'autre moyen de faire. On n'en connaît que celui-là. Donc ça, c'est important et c'est intéressant de pouvoir s'intéresser à comment marche la science parce que ça rend aussi les gens plus conscients de à quoi est-ce qu'on peut croire. Et moi, j'ai toujours envie de dire maintenant, si on veut la moins mauvaise opinion, c'est de taper méta-analyse sur Google Scholar. Vous avez les méta-analyses si vous cherchez les vaccins. Il y a des méta-analyses sur les vaccins qui montrent que c'est plutôt efficace et plutôt peu de risques. Ou sur l'hydroxychloroquine, il y a 20 méta-analyses. Il y en a 19 qui disent qu'il n'y a pas d'effet. Il y en a une, enfin, je ne suis pas retourné depuis quelques mois. Donc, il y a quelques mois, il y en avait 20. Et il n'y en avait qu'une qui disait qu'il y avait un effet à faible dose et très tôt, ce qui sert à peu près à rien. Donc voilà, moi, j'ai envie de dire... La science n'est pas infaillible, mais c'est en même temps la moins mauvaise opinion qu'on puisse avoir dans un domaine. Oui, c'est vachement important de discerner un truc, c'est qu'il n'y a pas la méthode scientifique, il y a les méthodes scientifiques. Il a cité la Katos, Raoul s'attachait à Feyerabend, les sceptiques ont très longtemps été popériens, maintenant on essaye de se calmer un peu. Il y a vraiment une multitude d'approches des méthodes scientifiques. Même entre scientifiques, si tu prends deux scientifiques, prenez un géologue. Les méthodes que le géologue va utiliser pour faire avancer sa discipline n'ont rien à voir avec les méthodes que va utiliser le médecin pour faire avancer sa discipline. Vous prenez l'exemple d'un médecin où aujourd'hui c'est devenu assez standard que pour évaluer l'efficacité d'un traitement, qu'est-ce qu'on fait ? On a un groupe placebo et on a un groupe qui va être traité et on va comparer les deux. Qu'est-ce que cette approche, cette méthode a comme valeur pour un géologue ? Le géologue, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse de ça comme méthode ? Donc la méthode scientifique, de manière générale, tu le dis très bien, en réalité, il y a un ensemble de pratiques, il y a un ensemble de méthodes utilisées par les scientifiques et cet ensemble de méthodes, en plus, évolue avec le temps. Pour encore reprendre l'exemple de la médecine, le coût du groupe placebo qu'on compare à un groupe traité, ça, c'est un truc qui est devenu standard dans les années 50. En 1950, avant ça, on faisait tout à fait autre chose. Avant ça, la méthode, c'était surtout basée sur l'anecdote, en réalité. Donc un médecin, pour décider, je vais traiter mon patient de cette manière et pas d'une autre, il avait simplement quelques anecdotes, quelques cas d'anecdotes qu'il avait récoltées, et sur base de ça, il décidait, ce traitement, je vais me mettre à l'utiliser pour guérir d'autres personnes. Donc la méthode qui est utilisée à gauche et à droite, non seulement elle change d'une discipline à une autre, elle évolue avec le temps, et donc quand quelqu'un commence à dire, à remettre une méthode en question, ben, il a bien le droit de le faire, c'est très sain en réalité de se poser la question de la validité de la méthode, mais ce que moi j'aime bien toujours poser comme question aux gens qui font ça, c'est tu remets cette méthode qui est utilisée en cause, c'est quoi l'alternative que tu proposes ? Est-ce que tu as un truc mieux à proposer ? Parce que si tu n'as rien de mieux à proposer, je ne comprends pas exactement ce que tu cherches à faire ici. L'idée c'est, il n'y a pas de méthode parfaite, on sait que ça change tout le temps, utilisons le moins pire des outils qu'on a à notre disposition à cet instant T, la moins pire des méthodes, et on peut bien sûr la remettre en question, mais si on n'a rien de mieux à proposer, ça sert à rien d'essayer de la remettre en question, de la démolir pour faire quoi ? Pour revenir en arrière à un truc moins bon ? Quelqu'un qui dirait, ouais, tes trucs d'essais cliniques, là, placebo contre groupe traité, il y a des cas où ça n'a pas bien marché, où ça a foiré, on a eu un mauvais résultat qui était contraire à la réalité du traitement. Donc du coup, moi, ce que je propose, c'est de revenir à la médecine basée sur les anecdotes. C'est pas une avancée, ça. On sait très bien, ok, que groupe traité contre groupe placebo, c'est pas non plus parfait, hein, y a des ratés, etc. Mais c'est le mieux qu'on a pour le moment. Donc utilisons ça, ne revenons pas en arrière par rapport à ça, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Questions, ou même si vous voulez parler de votre parcours, qui peut être similaire à l'un de nos intervenants ? Oui. Moi, je voudrais répondre au monsieur, là. Parce que alors, je pense que... près du micro, parce que sinon, on vous entend pas d'ici. Ah, pardon, j'ai oublié que j'avais ça. Je pense que pour la question de la médecine, il faudrait avoir une conception autre que la médecine, qu'un médecin, parce qu'un médecin, ce n'est pas un scientifique, c'est un praticien d'abord. Donc ça, déjà, moi, je pense qu'un biologiste, c'est un scientifique, un chimiste, c'est un scientifique, mais un médecin, ce n'est pas un scientifique. Un médecin, c'est quelqu'un qui a une pratique, au quotidien avec des malades.
et il sait très bien qu'il y a des traitements qui marchent avec certains malades et qui ne marchent pas avec d'autres. Et maintenant, on a une conception enfin, assez... plus. Ça date de. C'est assez récent, que quelque part, c'est pas parce qu'il y a un médicament qui marche avec telle personne qui va marcher avec une autre personne. Et ça fait. Ça apporte de la confusion, parce que quand vous discutez avec des gens autour de vous sur la médecine, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose qui ne va pas, donc ça... Ah ben oui, mais ça n'a pas marché sur moi, ben oui, voilà. Mais ça veut dire aussi que, quelque part, la médecine, c'est un art, c'est pas une science. Donc forcément... on va pas avoir les mêmes résultats par exemple des comparaisons entre des gens qui ont utilisé un placebo et des gens qui n'ont pas utilisé de placebo, enfin qui ont utilisé le truc. Enfin, je sais pas, je c'est une réflexion que je conduis depuis quelque temps parce que j'ai des lectures et je suis pas du tout scientifique, donc je comprends que la médecine ce n'est pas il ne pratique pas une science, mais c'est un art qui varie avec le quotidien. Voilà. Alors, moi, si tu permets, je dirais pas que c'est un art complet. Il faut pas idéaliser non plus le médecin qui soigne, parce que lui aura ses fameux biais cognitifs dont on a discuté pendant ces deux jours. Donc, un médecin, il peut être frappé par la coïncidence, son patient peut guérir de toute autre chose, et lui va associer la guérison au médicament qu'il a donné, alors que c'est peut-être pas ça du tout. Et ça, il faut que la médecine, elle est aussi scientifique, justement, pour améliorer cette méthode. Parce que cette méthode-là, c'est la méthode empirique, si on veut. Elle peut marcher, hein, ça peut arriver que ce soit bien le médicament qu'on a donné qui nous guérissent, mais ça, on peut croire c'est pas un niveau de preuve énorme, parce que alors les animaux l'utilisent aussi, les singes ils prennent certaines plantes en cas de maladie et ils ont réussi à trouver effectivement des plantes qui soignaient plus ou moins bien ce qu'ils ont, mais c'est un progrès, la méthode scientifique, c'est-à-dire que par exemple la prière, bah, vous guérissez aussi peut-être après une prière, donc vous allez croire que c'est la prière qui a fait la guérison. Donc la seule façon d'écarter ces hypothèses alternatives, c'est justement cette méthode scientifique avec un groupe contrôle et un groupe expérimental. Donc il ne faut pas le voir comme une opposition au médecin qui soigne, c'est au contraire un outil de plus pour évaluer mieux certains produits, certains médicaments, qu'après le médecin, dans son art quotidien, pourra utiliser avec tel ou tel patient. Mais c'est en aucun cas une opposition, c'est même un complément utile, enfin pour moi, hein, ça c'est mon point de vue, voilà. Il y a une partie de l'acte du médecin généraliste, hein, je pense qu'on parle surtout du médecin généraliste ici, il y a une partie de l'acte du médecin généraliste qui est la gestion psychologique de son patient, on va dire. Il y a un biais qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que quand vous allez en général chez le médecin, c'est quand vous êtes au plus haut de vos symptômes. Donc vous n'allez pas bien, vous dites « bon non, je ne vais pas y aller », et puis à un moment, bon là ça va plus, je tousse, j'ai le nez qui coule, je vais y aller. Le médecin, il vous reçoit, et il sait très bien qu'en fait, là vous êtes au pic, après les symptômes vont redescendre. S'il ne vous donne pas de médoc, les symptômes vont redescendre. Mais vous êtes venu le voir, s'il ne vous donne pas de médicaments, vous allez repartir de là en vous disant « c'est quoi ce médecin ? Je vais chez lui, il ne me donne même pas de médicaments, alors que je suis au plus mal. » Et donc le médecin, il doit quand même vous prescrire un petit truc. Et donc il y a une petite gestion comme ça de la psychologie du patient qui effectivement relève d'une forme d'art. On a beaucoup entendu un certain groupe de médecins dire que la médecine était un art. C'est absolument pas vrai de décréter ça comme ça. La médecine, c'est vraiment une science à part entière. Ça repose sur... Il y a une partie qui est la recherche médicale, et puis il y a une partie qui est la connaissance médicale, et ces deux pôles sont dans les mains du médecin, et il est censé l'utiliser vaille que vaille pour à la fois satisfaire sa clientèle et faire en sorte qu'elle aille mieux et qu'elle soit bien guérie. Mais c'est la partie art du médecin, elle est juste dans la relation avec son patient, elle n'est pas vraiment dans le corpus de connaissances, dans la recherche, etc. Ça, c'est de la science. Et d'ailleurs, le médecin n'est pas un chercheur, il utilise juste des connaissances qui sont mises à sa disposition, qui ont été produites par des chercheurs. Pour ce que cet avis que je vais donner ici vaut, moi, je considère la médecine comme une science. Donc moi, je ne suis pas d'accord de dire que la médecine, c'est un art. Pour moi, la médecine est une science. Par contre, ce que je suis tout à fait prêt à concéder, c'est qu'en fait,
toutes les sciences de manière générale, il y a une part d'art dans toutes les sciences en réalité. Et j'en suis particulièrement conscient concernant la science qui est vraiment la mienne, qui est la statistique, où quand j'enseigne même les statistiques, que moi je me rends compte, au plus les années passent et au plus j'accumule les méthodes statistiques dans mon bagage à moi et mes connaissances là-dessus, au plus je me rends compte que la vache, il y a quand même beaucoup d'arbitraire dans les choses que les statisticiens font. Il y a beaucoup d'arbitraire dans des choix de valeurs précises à partir desquelles on va considérer c'est significatif ou ça ne l'est pas, tout ce genre de choses-là, et que souvent, je dis en rigolant, vous savez, la statistique, ce n'est pas vraiment une science, c'est plus un art. Ça, c'est le genre de choses que je sors régulièrement à mes étudiants aujourd'hui, parce que j'en suis moi-même convaincu, en réalité, qu'il y a beaucoup d'arbitraire au niveau des statistiques. Et je pense que cet aspect qui est parfois un peu arbitraire, cet aspect un peu, on dirait que c'est un peu de l'art, il est en réalité commun à toutes les sciences. Toutes les disciplines ont un peu ce même problème-là. Et que c'est se bercer d'illusions de croire que tous les scientifiques, toutes les disciplines vraiment estampillées sciences, que c'est des trucs vraiment carrés, où il n'y a jamais d'arbitraire, où on sait exactement ce qu'on fait à tout moment, on est sûr de la méthode, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est tout simplement pas vrai, en fait. Ce n'est pas aussi carré que ça, ce n'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Quoi. On va prendre une dernière question, avant de clôturer la table ronde. Juste ici, ouais. Je sais plus. Le micro. Tu dois avoir un petit bouton normalement en bas pour allumer le micro. Okay. Bah, oui, c'est bon. Je ne sais plus exactement ce que je voulais dire, mais je voulais parler un peu de problèmes de communication. Et j'avais un exemple en tête où il y a des articles qui, je pense, ont des articles scientifiques qui ont des bonnes méthodes, etc., qui sont relayés dans des journaux. Je pense que c'est un article qui était en une du Monde il n'y a pas si longtemps, qui parlait que le réchauffement climatique, ce n'était pas si extrême que l'on pensait. Et puis, bien sûr, un mois plus tard, quelque chose comme ça, il y a eu le rapport du GIEC qui est tombé. Le Monde a fait partie des nombreux journaux qui ont relayé ces articles-là aussi. Et du coup, il y a un peu deux points de vue qui s'opposent. Et le problème, c'est qu'il faut que le lecteur, le public, cherche lui-même pour comparer ces articles-là. Le rapport du GIEC, c'est énormément de travail. L'article dont il parlait un mois avant, qui me remettait un peu en cause le réchauffement climatique, c'était un article comme ça, ponctuellement fait, pas des années de travail. Et du coup, je voulais aborder ce sujet autour de la communication, à quel point le travail scientifique devait s'appuyer sur le relais des journalistes, etc., des médias. Ce qui est important aussi dans cette communication-là, c'est la question de nouveau du consensus. C'est vraiment crucial parce que c'est un bon exemple, le réchauffement climatique. On trouve toujours des grands savants climatologues reconnus qui nient, enfin peut-être plus maintenant, mais en tout cas il y a quelques mois ou années, il y en avait encore, qui niaient le réchauffement d'origine humaine. Et il y a toujours des études qui sortent qui disent justement que dans tel ou tel contexte, il pourrait être moins fort ou pas du tout, ne pas exister. Mais c'est de nouveau pour ça que je dis, il ne faut jamais trop se fier à une étude, mais toujours se poser la question de plusieurs études et la méta-analyse et ensuite aussi l'avis de la majorité des experts du domaine. Parce que bon, ils peuvent se tromper, mais c'est quand même le moins mauvais avis qu'on peut avoir au tenté. Et ça, c'était le cas si on s'intéresse au réchauffement. Il y a des sondages qui ont été faits justement parce qu'on trouvait des climatologues qui nous disaient non, ça n'existe pas, d'autres qui disaient oui, ça existe. On s'est dit, alors on ne sait plus quoi penser. Et on a cette idée fausse qu'il y aurait deux opinions et qu'elles sont tout aussi vraies l'une que l'autre. Comme dans le cas de la pandémie avec Raoult qui disait la même chose. Mais en réalité, il faut se poser la question, quelle est le consensus, quel est l'avis de la majorité, et c'est toujours le moins mauvais avis, mais même pas seulement dans les sciences. Si vous demandez, vous avez une panne de voiture, vous avez 20 garagistes, il y en a 15 qui vous disent qu'il faut changer cette pièce, c'est la meilleure des décisions à prendre, même s'ils n'ont pas forcément raison, et peut-être qu'un des garagistes minoritaires avait raison. Voilà, c'est le meilleur avis qu'on puisse avoir. Et dans le cas du réchauffement climatique, on a 95 à 98% des climatologues qui disent oui, il y a un réchauffement, et oui, il est d'origine humaine. Donc là, on peut, ça ne veut pas dire encore que c'est une certitude à 100%, mais on a quand même de bonnes raisons ou de meilleures raisons de penser que ça existe que ça n'existe pas.
C'est chiant hein, quand des experts ne sont pas d'accord entre eux. Si nous, on ne connaît rien au sujet, genre la climatologie, moi, je ne connais rien à la climatologie, et si je vois des experts qui ne sont pas d'accord là-dessus, je suis emmerdé, parce que je ne sais pas comment je fais pour trancher. Hein. Mais ce qu'il faut bien réaliser, et je vais répéter un peu ce que Pascal vient de dire au final, hein, mais ce qu'il faut bien réaliser, c'est que quel que soit le sujet, vous n'avez jamais 100% des scientifiques dans la discipline concernée qui sont d'accord. Hein. Ça n'arrive jamais. Quel que soit le sujet, il y aura toujours une minorité de scientifiques qui sera contre l'autre partie des scientifiques. Les situations qui sont les plus intéressantes, c'est quand on n'est pas face à une petite minorité de scientifiques qui sont contre une grosse majorité. Là où c'est plus intéressant, c'est quand on est du genre un peu 50-50. Quoi. Vraiment que la communauté scientifique est déchirée sur un sujet donné, où clairement il n'y a pas encore de consensus qui s'est bien établi. Et là, dans ce genre de cas, le mieux à faire, c'est de suspendre son jugement et d'attendre de voir ce qui va se passer. De simplement dire, pour le moment, on ne sait pas quoi. Les gens ne sont pas d'accord, c'est pas clair du tout. Mais il faut bien réaliser que, notamment dans des domaines de la climatologie, quoi qu'il arrive, il y aura toujours régulièrement un scientifique qui va émerger pour dire tout ce que les autres ont dit est faux. C'est quelque chose, ça fait partie du jeu, c'est normal. Et pour nous, pauvres humains qui n'êtes pas des scientifiques, qui ne comprenons pas la climatologie, etc., comment on peut s'en sortir par rapport à ça? Souvent, on se base sur ce que la presse, finalement, va nous rapporter de ces débats entre scientifiques, etc. L'idéal, en fait, c'est toujours de voir combien de scientifiques différents la presse a contacté. Donc, un article de presse, on se contente juste de relayer l'opinion d'un scientifique qui va contre ce qu'on a entendu précédemment. Ok, on ne peut pas s'arrêter à ça, ce n'est pas assez. Idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est se mettre à interroger quelques scientifiques à travers 3-4 universités différentes et voir un peu qu'est-ce qui ressort. Et peut-être que là, en faisant ça, on va très vite se rendre compte qu'en fait, le type qui est contre, ben, il est tout seul. Et que tous les autres, ils disent, ben, non, on n'est pas d'accord du tout. Et à ce moment-là, ça devient très clair de qu'est-ce qui est raisonnable de suivre à partir de là. Et peut-être aussi qu'on se rendra compte que parmi tous ceux qu'on a contactés, ben, que la moitié sont en faveur de A et l'autre moitié en faveur de B. Et là, on est dans une situation où moi je dis, il faut suspendre son jugement et attendre de voir ce qui va se passer parce que c'est clairement, c'est pas clair. Quoi. La question de la communication scientifique, c'est un sacré merdier. Parce que d'une part, les scientifiques, ils n'ont pas systématiquement à cœur de vulgariser leurs trucs et en plus, ils ne le font pas systématiquement bien. Ça demande quand même ça demande de s'y consacrer et d'avoir un certain talent. Et puis d'autre part, les médias, ils ne comprennent pas trop en fait, que les questions d'ordre scientifique ne se traitent pas comme les questions d'ordre, comme les autres questions. En fait. Et c'est tout le problème du journalisme scientifique, ça, c'est un sujet que je traite souvent sur ma chaîne, c'est que un journaliste d'investigation, il a l'habitude d'opposer l'avis A à l'avis B. Il va aller chercher quelqu'un qui est un tenant de telle opinion avec quelqu'un qui est un tenant de telle autre opinion. Il va les faire débattre et va émerger comme ça une espèce de conversation. Le public va pouvoir se faire une idée. Bien sûr, quand on commence à faire ça avec des questions d'ordre scientifique, quelqu'un qui croit que la Terre est ronde avec quelqu'un qui croit que la Terre est plate, c'est pas vraiment un débat qu'il faut mettre en scène, c'est pas très intéressant. Bon, là, nous, on sait que la Terre, elle a quand même beaucoup de chances d'être ronde. Mais quand c'est des questions plus épineuses, le journaliste scientifique, il sait pas toujours. Enfin, le journaliste qui va organiser une question de science, qui va la mettre en lumière, il sait pas toujours, en fait, que l'opinion qu'il a été chercher est rarissime, et qu'en la mettant en comparaison, typiquement pour le réchauffement climatique, hein, en mettant un climato-sceptique avec quelqu'un qui a un rapport du GIEC, en les mettant sur un plateau de télé, en les faisant débattre, on va donner l'illusion au public que ces questions sont équivalentes et que c'est à chacun de voir qui le convainc le plus. Et alors là, ça va se jouer avec du feeling, de la rhétorique, des arguments totalement pourris. Et il y a vraiment un gros problème de gestion de l'information scientifique au niveau des médias. Le vrai journaliste scientifique, c'est avant tout un scientifique qui ensuite a reçu une formation journalistique. Mais au journal Le Monde, typiquement, il y a 2-3 cocos qui aiment bien se prétendre journaliste scientifique sans être du tout conscient de ce qu'est une vraie formation scientifique. Et ça crée pas mal de problèmes. Donc moi, par exemple, voilà, si je faisais partie de la commission Bronner, c'est un des trucs que je proposerais, c'est légiférer un petit peu les médias par rapport à la communication scientifique. Oui, effectivement, c'est un problème dans les médias. Moi, je me permets d'en parler parce que je suis journaliste de métier. Effectivement, on a assez peu de journalistes scientifiques. Au final, on a beaucoup de journalistes, ce qu'on dit généralistes, qui couvrent beaucoup de sujets différents. Et on n'est pas spécialiste du climat, par exemple. On est encore moins spécialiste des épidémies du Covid. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu tant de difficultés, je parle dans la presse en général,
de parler de choses comme l'épidémie de Covid, c'est parce que on se retrouvait à couvrir un jour les faits divers ou un jour la politique, et on a presque tous dû se concentrer sur le sujet du Covid auquel on connaissait rien. Et donc on donne parfois la parole à des gens qui sont pas pertinents, mais parce qu'on ne le sait pas, on n'a pas le temps de chercher vraiment qui est la personne la plus pertinente pour ce sujet-là. Mais oui, effectivement, c'est un vrai problème. Ouais. On devrait avoir plus de gens scientifiques. Ça crée de la confusion, ça crée énormément de confusion sur ce qu'est la science, sur ce qu'est la médecine, sur comment se passe le processus de recherche. Là, on l'a vu, ça a été le bordel, principalement à cause d'une communication ultra foireuse et de... Enfin, voilà. Je vais devoir clôturer cette table ronde, même si c'est passionnant, parce que sinon on va prendre pas mal de retard pour la dernière. Merci beaucoup à tous les trois, en tout cas.